Bonjour, mon nom c'est Jeannette Gauthier de 4 et plus. Aujourd'hui, je vous présente une petite vidéo « Comment bien réussir des étampages ». Je vais vous montrer un petit truc que vous allez toujours réussir votre image lorsque vous étampez. Restez avec moi. Aujourd'hui, je vais vous montrer une bonne façon d'étamper. Plusieurs d'entre vous détestent étamper. Je vais vous montrer la bonne façon que vous allez toujours réussir vos étampes. Choisir un bloc qui est à peu près la même grandeur que notre étampe. OK? Donc, je vais le montrer à ne pas faire. Plusieurs entrevues vont bercer et vous allez appuyer bien trop fort et vous arrivez avec ça, vous dites « Ah! » Non. Donc, on va essuyer ça. Et on apprend. Tap, 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 tap. On appuie. On n'apaise pas. On appuie. Et on compte jusqu'à 10 pour donner la chance à l'encre à transférer sur le papier. Et voilà. Parfait. D'autres choses, si vous avez un bloc qui est trop gros, vous n'avez pas d'autres blocs, puis vous avez juste un gros bloc comme ça. C'est sûr que c'est plus difficile, mais vous êtes capable de réussir quand même si on garde toujours le tap, tap, tap égal. Si on a des excédents ici, on peut l'essuyer. On apprend. On fait bien attention. C'est plus difficile à ne pas bercer le gros bloc. Mais on appuie. On a le compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà. Des étampes parfaites à chaque fois. J'espère que vous avez bien aimé cette astuce-là et vous allez donner encore la chance à votre étampage et vous allez tomber en amour avec étampé comme moi.